Stan, Star Academy, sosie officiel d'une superstar foot, les internautes hallucinent. C'était la saison du renouveau pour la Star Academy cette année. Exit les anciens professeurs et place à une nouvelle équipe. Même si la recette est restée la même. Une belle saison qui s'est clôturée le 26 novembre dernier avec la belle victoire d'Anisha lors d'un dernier prime très réussi. Si plusieurs candidats, à l'image de Léa, ont marqué l'émission par leur personnalité et leur prestation vocale. Stanislas s'est fait remarquer pour son physique et notamment sa grande ressemblance avec une star mondiale. Le footballeur Robert Lewandowski. Il faut dire que la similarité est assez bluffante entre les deux hommes. Comme certains l'ont remarqué sur les réseaux sociaux. Même coupe de cheveux, les mêmes yeux clairs, un sourire ravageur et le nez pointu. On pourrait presque croire qu'ils sont jumeaux, si ce n'était la différence d'âge entre les deux, Stan a 24 ans et Robert 34 ans. Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à cœur joie sur cette ressemblance entre le chanteur et l'attaquant du FC Barcelone. Robert Lewandowski fait partie de la Starac, c'est incroyable, après son élimination contre le Bayern en Ligue des Champions. Robert Lewandowski rejoint la Starac ou encore j'ai trouvé moyenne la prestation de Stanislas Lewandowski à la Starac. On espère une meilleure prestation de son frère Robert demain face au Real Madrid, les twittos sont unanimes. Stylo Diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, Div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, Style. Stylo Diva place holdé à 1 et à 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, Div. A place holdé à 1 et à 2, 8 620 px, minimum et 350 px, Style. Une ressemblance plutôt amusante donc et qui doit certainement faire rire Stanislas Soufoiritner de son vrai nom. Si ce dernier n'a pas réussi à remporter l'émission de TF1, tout n'est pas encore perdu pour Robert Lewandowski. Actuellement à la Coupe du Monde au Qatar avec son équipe, la Pologne. L'attaquant va d'ailleurs affronter la France ce dimanche. Lors d'un match qui s'annonce très serré, en espérant que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et leurs coéquipiers réussissent à prendre le meilleur sur leurs adversaires. Une ressemblance physique plutôt amusante donc, reste à savoir si Stan est aussi bon sur un terrain de foot qu'avec un micro à la main.